Ce bilan en matière de RSO est un bilan contrasté. D'une part, ces régulations internationales ont commencé à permettre l'acclimatation de la RSE, ou RSO, notamment à l'égard des entreprises multinationales. En même temps, beaucoup reste à faire et beaucoup de ces entreprises ou de ces acteurs continuent à considérer qu'on n'a pas besoin de normes internationales, mais que ce sont d'abord des engagements volontaires. Je ne suis pas certain qu'on puisse le dire aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas une prise en compte par tout le monde de ces critères, et parce que, pour utiliser un vocabulaire de l'économie libérale, la pratique du passager clandestin reste largement développée à l'échelle internationale. Je crois que la première chose à faire est de permettre qu'aboutissent les discussions dans le cadre de l'ONU sur un traité ONU en direction des multinationales comportant des normes à caractère obligatoire.